Bonjour. Le document que vous allez voir n'est ni un résumé d'une thèse scientifique, ni un rapport d'une quelconque institution. Ce n'est qu'une histoire animée, un apport de connaissances pour tous ceux qui s'intéressent ou qui présentent les premiers symptômes du virus de la montagne. Bienvenue. La thématique des indices du ciel est constituée en six parties qui sont la formation et le développement des nuages, les courants d'air sur la Terre, les mécanismes normaux et inversés des principaux facteurs, l'évolution des nuages et enfin, lecture de la météo dans le ciel. Nous avons vu à travers ces images qu'il y avait différents nuages dans le ciel, voire aucun. Pourquoi ? Il y a différents nuages car il y a trois étages de formation de nuages dans la troposphère, cette couche de l'atmosphère qui s'épaissit entre les pôles et l'équateur. Chaque nuage a son étage en altitude qui lui donnera le préfixe de son nom. Ainsi, au premier étage jusqu'à 2500 mètres se forment les stratos. Au deuxième étage de 2500 à 5000 mètres se forment les altos. Et au troisième étage de 5000 à 12000 mètres d'altitude se forment les cirrus. En image, nous avons au troisième étage des cirrus. Au deuxième, des altocumulus. Et au premier, un stratocumulus. Et entre le premier et le deuxième étage, nous avons un nimbostratus. Alors, strato, alto, ciro pour les étages. Mais c'est quoi cumulus, stratus et ces mots à coller ? Eh bien, ce sont les genres. Et oui, les nuages ont des genres. Soit cumuliforme, soit stratiforme. Si le nuage adopte le genre cumuliforme, alors le nuage aura un développement condensé. Si le nuage adopte le genre stratiforme, le nuage se développera par strates. Nous avons donc trois étages de formation pour deux genres de développement pour nommer les nuages. Comme par exemple l'altocumulus est un nuage qui s'est formé au deuxième étage, entre 2500 et 5000 mètres, du genre cumuliforme, donc à développement condensé. L'altostratus est un nuage du deuxième étage aussi, du genre stratiforme, donc à développement par strates, mais non condensé. Les altocumulus, dits simplement cumulus, peuvent prendre aussi un développement stratiforme. On les appellera alors altocumulus stratiforme, lesquels sont appelés dans le langage populaire les moutons. C'est plus simple, hein. Enfin, le stratocumulus est un nuage du premier étage inférieur à 2500 mètres du genre cumuliforme à développement condensé. La mer de nuages en est un beau spécimen. Enfin, tout au-dessus là-haut, le cirrostratus est un nuage du troisième étage au-delà de 5000 mètres du genre stratiforme couvrant par un fin voile stratifié le ciel
et formant surtout un halo autour du Soleil et de la Lune. Un phénomène magnifique que j'ai déjà vu en Vanoise, mais hélas, je n'avais pas l'appareil adéquat pour le prendre en photo. Alors, les nuages se forment en étages, se développent en genre, et après, ils évoluent ou ils meurent? Eh bien, ils peuvent faire les deux, mon capitaine. Cela dépendra des vents, de la pression atmosphérique et de la température. Petit rappel des mécanismes sur Terre. Alors, la Terre tourne autour de son axe de rotation en 24 heures, et autour du Soleil en 365 jours, dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, soit de gauche à droite, soit d'ouest en est. Ainsi, les vents dominants d'ouest sont très intenses dans les couloirs intratropicaux et les pôles, où la troposphère est très amincie. Les vents forts et chauds des zones intratropicales remontent en se refroidissant vers les pôles, traversant cette troposphère là où tout se joue pour nous. Il existe trois types de climats sur notre planète, des centaines de microclimats, mais trois types de climats, climat polaire, climat tempéré et climat sec et aride ou humide. L'Europe et les Alpes sont situées en zone continentale de l'hémisphère nord et bénéficient d'un climat tempéré. Les quatre saisons sont bien marquées. Alors comment ça se passe? Eh bien, commençons par la belle saison d'été, période pendant laquelle l'anticyclone des Açores protège l'Europe des perturbations par son action antidépressionnaire. C'est-à-dire que cet anticyclone va favoriser la circulation normale des vents d'ouest en est avec le maintien normal des températures et des pressions atmosphériques correspondant aux différents reliefs. L'été est le 21 juin lorsque le soleil est à son zénith à midi sous le tropique du Cancer, c'est le solstice d'été. Le solstice d'hiver a lieu le 21 décembre lorsque le soleil est à son zénith à midi sous le tropique du Capricorne. C'est tout l'inverse dans l'hémisphère sud. Lors des solstices, la durée du jour et de la nuit est égale à 12 heures. Alors, puisque nous avons parlé de l'été et de l'hiver, parlons des équinoxes de printemps et d'automne qui sont respectivement le 21 mars et le 21 septembre quand le soleil est à son zénith à midi sur l'équateur, à la verticale des deux hémisphères. Si le soleil se dirige au nord, c'est le printemps le 21 mars dans l'hémisphère nord. Et si le soleil se dirige au sud, c'est l'automne le 21 septembre. Encore une fois, tout est inversé pour l'hémisphère sud. Et après l'automne, vient l'hiver, l'anticyclone disparu, arrivent alors les perturbations provenant de l'ouest sur l'Europe et donc sur les Alpes. Mais alors comment la mécanique des vents joue-t-elle en altitude, donc en montagne ? Eh bien, les matins en montagne, la mécanique s'appelle brise ascendante, elle-même activée par les températures et la pression atmosphérique beaucoup moins élevées qu'en plaine. Et bien sûr, il y a le soleil. Ainsi, il y a quatre acteurs dans le jeu. Au passage, tous les phénomènes d'altitude sont bien décrits dans la thématique « Étages de vie en montagne », vous apportant toutes les connaissances sur les contraintes naturelles de l'altitude, dont la température et la pression atmosphérique. Reprenons. Cette brise ascendante est activée dès l'aube par le soleil chauffant les plus hauts sommets, et le fait qu'il y ait moins d'air en altitude et un air plus pur, moins chargé de particules, celui-ci laisse plus facilement passer les rayons de notre bel astre. Ce phénomène de la brise ascendante va créer une dilatation des masses d'air par aspiration, comme un appel d'air d'altitude. Le mécanisme est ainsi normal. Il y aura une belle journée. Soir en montagne, dès que le soleil se couche, les températures chutent
très fortement, celle-ci étant déjà beaucoup moins élevée qu'en pleine. Le mécanisme brise descendante entre en action par cet air froid qui descend pour se bloquer en pleine. Le mécanisme est normal, il y aura un beau ciel étoilé en montagne. Lorsque ces deux principaux facteurs changent en altitude, augmentation des températures et chute des pressions atmosphériques, donc du baromètre, alors il y a une perturbation des mécanismes, une perturbation météorologique est en vue. Les deux formes d'évolution d'un nuage, soit la forme mamma caractérisant une partie instable d'un nuage, soit la forme lenticulaire caractérisant un allongement d'un nuage devenant stationnaire. Comme par exemple cet altocumulus lenticulaire stationnant au-dessus du Mont Blanc. Eh bien oui, cet altocumulus ne s'est pas évaporé dans les airs car les mécanismes température et pression atmosphérique se sont modifiés. L'air humide condensé dans le cumulus stationne ici à cause de la décompression active traduisant l'arrivée d'une perturbation. Ici, nous avons plusieurs altocumulus évoluant en forme lenticulaire. Nous avons encore le temps de nous balader. Ah bien là, ça y est, on est dans la perturbation sous cette longue nappe de nimbe ou stratus, mais bon, c'est pas trop violent. Ah, les petits cas d'école. Il faut choisir entre le premier ou le deuxième cas. Eh bien, plusieurs indicateurs nous conduisent vers le deuxième. Car si le stratocumulus formant la mer de nuages ne s'était pas évaporé dans la journée, alors il ne serait pas possible d'avoir en début de soirée un ciel si dégagé et un soleil illuminant les sommets en se couchant. Le fait qu'il y ait un altocumulus lenticulaire, ce sont tout simplement les vents qui ont cessé leur travail. Et tout le monde va se coucher. Vous les avez reconnus, ces beaux cumulus traduisant clairement la condensation des masses d'air humide. Le temps est sec, l'air est limpide, laissant pénétrer la chaleur des rayons solaires. Tout nuage de genre cumuliforme s'évapore à la verticale et donc disparaissent quand l'équilibre température et pression atmosphérique est là. Les cirrus du troisième étage disparaîtront aussi par évaporation, par le jeu des hautes pressions dans la journée. Et puis enfin, ce ciel bleu azur, voire marine que l'on a souvent en montagne l'hiver ou en très haute altitude. Aucune trace d'humidité dans le ciel, donc aucun nuage, grâce à l'équilibre température-pression atmosphérique. Magnifique. Tout simplement magnifique. Voilà, le diaporama touche à sa fin avec un petit exercice d'assimilation. J'espère que cette thématique vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à scruter le ciel pour reconnaître ces fameux nuages, c'est très ludique. Laissez votre curiosité s'égarer dans les livres, sur le site de Météo France ou de d'autres scientifiques. Faites la relation nuage-climat dans vos réflexions. Échangez vos connaissances avec vos professeurs, vos amis et collègues et bien sûr avec l'école de la montagne via des emails. Je précise enfin que tous les effets sonores sont libres de droit et issus du site universalsoundpod.com. Et que tout le contenu de cette thématique, les images, création du diaporama vidéo, production du CD, sont 100% des droits réservés à Carole Gros qui en est l'auteur. Et je vous dis
Au revoir et à bientôt.